fruits, moi. Là, elle est battue, la faux. C'est-à-dire qu'avec un marteau et puis une enclume, on diminue l'épaisseur de l'acier pour avoir un morceau de lame fin, bien fin. Ça coupe le plus, c'est là. Je pense que c'est là. Parce que là, on a toujours tendance à accrocher des choses. C'est aux choses sérieuses. C'est là que ça se passe. Hein. Tu partais comme ça avec la perche là, comme ça. Puis ensuite la perche elle était au milieu du char. Il y avait une autre corde sur la perche et le gros morceau de bois servait de palan pour tourner autour. La colle montait au-dessus, voilà. Puis en tournant comme ça. Ah, d'accord, oui. Et puis on avait, là, il y avait une petite ficelle, on faisait le tour, tant qu'on y tournait par là. C'est l'embrayage, si tu as un brayage, là tu peux plus tourner ça. D'accord. Oui, c'est ça. On passe par le brayage avec la grosse roue. Oui, puis c'est pour ça que tu l'enlevais quand les bottes, tu pouvais pas les enlever. Mise là pour l'instant, c'est pour le transport. Le transport dans les chemins. Et puis sinon, pour la coupe, c'est dans ce sens. Là. Là, comme ça. Elle avance comme ça, comme la ça. Machine. La graine, elle est coupée, là. Et elle tombe sur le tapis, là, parce qu'il y a des toiles qui vont sur les rouleaux. Les rouleaux tournant comme ça, dans ce sens. Ensuite, ça monte. Ça monte à l'intérieur. Il y a une toile qui tourne comme ça et une autre qui tourne autrement pour pouvoir monter la graine à l'intérieur. Et ensuite, la graine venant par ici, elle est retenue par ça et ça. Et puis, quand le poids est suffisant pour faire la gerbe, ça déclenche le mécanisme ici. Et c'est bizarre, ça tourne pas, ça. Toujours là.